Ça va pas tarder à revenir. J'ai ma box qui s'est réinitialisée. J'avais besoin d'une nouvelle synchronisation. Mais pardon, il y a mon boîtier internet qui s'est réinitialisé, ça arrive. Ouais, c'est YouTube qui faisait la censure. On va dire ça. Bah oui, je te disais qu'en plus sur la vidéo en question, il faudra quand même que je le fasse. On entend la première. C'est la première fois qu'on entend AJ. Oh ! La toute première fois. Et en plus, il avait encore sa voix de petit enfant encore. Il avait pas encore sa voix de. Il avait adulte. Pas mué. Ah ouais. Il n'a pas encore sa voix adulte encore aujourd'hui. Mais on va dire il a ado adulte, il est entre les deux. Mais il avait encore une voix de jeune garçon. C'est fou de me dire que j'ai des archives comme ça, quoi. Ouais, c'est sympa. Mais bon, comme je l'avais fait à l'époque sur mon ancien ordinateur, c'est pour ça que j'ose pas dire supprimer la partie qui strike, parce que j'ai peur qu'après il la supprime complètement. Mais tout, c'est vraiment bizarre, oui. J'ai pas pointé, je te rends sous Discord, mon chaîne fan, mais c'est bon, le signal est revenu sur Twitch, rassurez-moi. Oui, c'est revenu. C'est bien, merci. Je vais faire ça au cas où on discute entre temps dans la semaine. Mais là, je le mets dans les favoris, comme ça tu retrouveras la vidéo de la vie d'Edouard sur Woodroff. C'est bon. Le beau champagne de Noël. Alors, la question, c'est autour, qu'est-ce qu'on fait? Ah, je ferais bien des trucs de semblant de guirlande, mais qui partent de du trou. Il me faudra peut-être plus de laine pour faire un... avec des lampions suspendus. Oh, ça serait beau. Ah, on va peut-être réfléchir déjà à faire des... Un jeu de lampions suspendus avec des pieds. Quelque chose à faire sur la place. Je vais peut-être me baser sur les torches que tu m'as offertes tout à l'heure. Pourquoi pas. Il va me falloir du fer pour en faire des lampions. Oh la vie. Réfléchissons. Attendez, je suis mal assis, je suis en train de me bousiller le dos. Je suis pas là pour me faire un fricassé de vertèbres. Ouais, j'ai les blocs de fer brut, mais ah oui, surprenant, très surprenant. Oh, je crois que je peux ouvrir la double porte. Enfin, il y aura pas d'ennemi qui circulera. C'est là où je vais me faire avoir et je bam. Attends, j'ai de la cuisson de fer brut à faire, moi. Ça m'en fait une tripotée de fer brut, là. Là, j'en avais pas en rab, ici. Ah non. Je vais en laisser 64 ici. Ouais, je vais faire ça. Qu'est-ce que je peux cuire? Je peux recuire de la roche éventuellement. Bon, bah, je vais mettre la roche là. Dans la logique minecraftienne. Qui se respecte.
Alors, en bas, je vais mettre la roche classique. Et en haut, je vais mettre le minerai de fer. Et là, c'est bien, ça va me rapporter de l'expérience. Alors, pas au point de remonter jusqu'à 30, puisque je suis actuellement à 22. Mais 25, 26, ce serait bien. J'irais plutôt 25. Mais il va se passer du temps. Le temps que les 64 éléments se consument dans le four, il va falloir prendre son mal en patience. Oh, 18h déjà. What? Ah oui, merde, j'avais oublié que j'avais cramé de l'algue dans le... Je me disais, mais pourquoi il s'amorce pas, le four, là? Oh, non, je vais garder les torches sur moi. Je vais aller dans un plumard provoquer la nuit, là. Je vais dans le... J'allais dire dans le minaret, c'est pas du tout le terme. Dans la vigie. Belzébuth, qu'est-ce qu'il fait sur la banquise, lui? Il s'est barré, je sais pas comment, sur la banquise. Bon, bref. Je suis plus à sa près. Dieu a une demande à faire. Ah! Il demande que, avant qu'il lance les catastrophes, il y ait un bulletin météo. Ah oui, de savoir si ça vaut le coup de lancer l'orage. Oui, c'est vrai que si tu lances un orage quand il y en a déjà un, naturellement, ça la fout mal. Il y a Undael qui vient de te... Undael, bonjour. J'espère que ça va bien ce dimanche. Tiens, d'ailleurs, je vais siroter mon café au lait. J'espère que bientôt je pourrai aller te voir en stream, Unael. Oh, j'ai beaucoup de blocs de lapis-lazuli. Je vais peut-être faire la base de mes trucs en lapis-lazuli, qui est un peu cheap quand même, de classe, de ressources rares, exhibées fièrement. Que ça fasse beau. Bonjour, j'espère que vous allez bien, ça va mieux, j'ai repris des forces. C'est bien, c'est repris des forces, c'est cool. On est bien content de te lire. Là où les torches, j'avais espacé intelligemment le... Parce que tu fais des beaux sur Minecraft. Moi, je m'amuse à mettre des orages et à lui donner des objets, des zombies. Ah bah, t'as pas tout compris. Il faudra que tu te répètes, mon cher FunFan. Merci. Je disais que moi, je m'amuse, en fait, si tu veux, il y a un panneau, enfin, un truc où je peux interagir de façon directe avec le jeu. Et de temps en temps, je peux enclencher des orages, je peux donner des torches, je peux donner de l'or, je peux mettre un zombie, voilà. C'est ça. Oui, je t'en prie, mon Dieu. Mais je peux pas le faire tout le temps, mais de temps en temps. Et en plus, comme j'ai deux comptes, il double la mise. Voilà. Enfin, tu peux le faire. La fréquence. Quand c'est de bergamote, tu peux le faire. Et toi, t'es stupé le sage parce que tu l'as demandé pour vous deux. Bah moi j'ai fait la place principale de la plateforme que je suis en train de construire, j'ai fait le sapin de Noël. J'ai posé les skid boules tout à l'heure et maintenant on va faire la base tout autour avec des jolies choses, vous allez voir. Je vous dis pas ce que j'ai en tête mais ça va prendre forme petit à petit. Et le 1er janvier il fera ma statue. Peut-être que ça viendra un jour, méfie-toi. Oui, merci, je suis content de mon sapin. Je l'admire souvent, là, maintenant. Quand tu mets les orages à côté du sapin, il y a de la neige. Ça, je... Oui, je vais inciter les gens à utiliser le pouvoir. Parce que Dieu, il partage, tu vois, c'est comme ça.
Dieu, il est généreux. Dans le malheur des autres. Pour le malheur des autres. C'est ça. Non mais il pourrait prendre feu le sapin, je crois. Sans déconner, il se prend la foudre et puis la pluie s'arrête juste derrière. Ça provoque l'incendie de l'arbre. Et tout part en fumée. C'est possible. Le 25, ça va être à Noël. Imagine que c'est ça pour Noël. Ah oh mon Dieu. De toute façon, d'ici début janvier, il va planter. Il ne saurait plus quoi en faire. Il serait choqué. Ça dépend si vous avez activé la... Oui. Oui, oui. Elle est programmée, la programmation du feu. Elle n'est pas interdite. Bah, généralement, j'essaie d'y jouer en conditions réelles à Minecraft. D'ailleurs, je crois que mon niveau de difficulté est au maximum sur le serveur. Donc tout le monde en bas. J'aime bien, j'apprécie le jeu comme ça. Quand il est assez punitif. Nash, il en bat beaucoup. Ouais. Surtout quand il y a des orages. C'est ça. Alors, diorite poli, faudrait que je fasse... Merde. Je viens de me faire avoir. Je viens de me faire avoir, c'est pas ça que je voulais faire. Merde. Il me faut de la diorite naturelle, vous allez voir que je vais plus en avoir. Non, ça c'est de la roche lisse. Voilà, diorite, on commence. J'essaie de pas me planter. Voilà, c'est ça que je veux, des murets. Nickel. Attendez, je réfléchis. Ah, merci pour les torches. Si bien, ça va me servir à faire des lampions, les torches. Je cogite. En général, dit NDL, je laisse les options comme toi, sauf la destruction de blocs, car c'est chiant à force qu'un creeper te pète tout. Oui, alors, il y a déjà eu un incident spécial avec la belle et magnifique construction de Nash sur le serveur. Et j'utilise mes pouvoirs de dieu à ma manière aussi. C'est-à-dire que comme je suis le gestionnaire du serveur, je peux restaurer une sauvegarde toutes les 24 heures. Donc à un moment, j'ai fait un rembobinage d'état de serveur parce que il y avait eu trop de destruction. Attendez, il faut que je réfléchisse. Ça y est, je sais comment je vais faire mon truc. Oui, ça y est. Je vois l'élément qui me manquait. La roche bien cuite. Attends, j'en avais pas dans ce coffre. Mais oui, de la roche lisse. Vas-y voir que je panne ça. Voilà, des dalles de roche lisse. Oh, ça va prendre forme. Vous allez voir comment je vais faire mes lampions. Enfin non, là j'ai pas les lampions, merde, il me faut le fer. Ah. Enfin, je peux déjà faire la base du truc. Je vais vous faire un exemple avec la partie la plus proche, regardez. Par contre, il faudra que je monte dessus parce que vraiment je pourrais pas. Ah. Je vais faire comme ça. J'y arrive pas, il faut falloir que je me fasse encore un truc d'escabeau là. Je peux pas déjouer les lois de la physique, tant pis. Voilà. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait m'interdire de poser mon bloc. Et voilà, et en dessous, je vais faire suspendre les lampions. Ça fera stylé comme déco. On va aller voir où en est la cuisson du fer. Il y a un type de bloc que le creeper peut pas détruire. C'est pas le plus balèze qu'est l'obsidienne. Je crois que l'obsidienne, il peut pas. L'obsidienne résiste à ces explosions. Ouais, il demande à Christella lequel, parce qu'il a dit qu'il y a un type de bloc que le creeper ne peut pas détruire. Moi, je pense que c'est l'obsidienne. Et il t'hydrate en passant.
Alors, tout ça, en fait, elle ne sait plus lequel, il dit out. Alors, il est où ce cheval? Autant que la cuisson se punisse. C'est à 20h, revenez dans 2h. On dirait qu'il y a le feu, il faut mettre un orage. Ce soir, on vous met. Attends, j'attends la fin de la cuisson parce que j'aimerais bien récolter. Ah bah tiens, j'ai déjà récolté le. Tout ce qui est roche. D'ailleurs, j'en profiter pour remettre des. Qu'on appelle ça? Du combustible hein, dans les fours. Ça s'appelle du charbon. Voilà. Je suis à 23, 24 d'expérience. Allez. Qui dit plus? 25. Ah, je vais attendre les 26, dis donc. Ouais, 26, parce qu'en fait, c'est un matériau rare et noble. 27. Oh, j'aurais pas cru autant. Ça fait plaisir, ça fait zizir. Alors, attendez, je vais faire mes... Ah oui, il faut que j'en fasse des pépites de fer, c'est vrai. Bon. Bon. Lanterne, voilà. 15 seulement. Ah non, non, il en faut beaucoup plus. Oups, j'y suis peut-être allé un peu fort. Attendez, le reste, je vais en faire des blocs parfaits de... Je peux plus faire des blocs parfaits d'argent? Ça existe plus, ça? Blocs de fer. Ah oui, d'accord. Voilà, comme ça, moi, je l'ai compacté à mort. Bizarre, un bloc de fer, il a une sale gueule, le fer, excusez-moi du peu. Il a une sale tronche, le Mickey. Alors, des lanternes. Voilà, je blam, blam, blam. Alors attends, mes torches habituelles elles sont là. Les lanternes j'en laissais un peu en cadeau ici, on sait jamais, ça peut dépanner. Les pépites de fer, j'ai même pas la place pour les ranger là, je vais les mettre là. Allez hop, oh, bah tiens il y en avait là. Réfléchissons. Alors je vais aller dans le plumard pour faire passer la nuit. Et je mets en place la suite de ma dépôt de place. Alors, Undil nous dit, ça fait combien de temps que vous jouez sur ce serveur? De mon côté, ça fait un petit mois que j'ai relancé Minecraft et je n'avais pas joué depuis un moment. Du coup, je découvre le nouveau Nether, la mise à jour en aquatique et des caves. Alors, l'historique de mon serveur. Ma carte actuelle est initialement un serveur privé familial. J'ai commencé à y jouer pendant un an, on va dire, le temps du confinement, en gros. L'année de la pandémie, là, qui est 2020, avec le premier confinement. Et cette année-là, j'ai joué avec mon cousin. On était peinards en famille à nous deux, et on a commencé à construire pas mal de trucs. Mon cousin, aujourd'hui, pour des raisons personnelles, professionnelles et de famille, il a plus le temps de jouer. Il adorerait, mais il a plus le temps. Malheureusement, je me retrouvais seul. Et puis je lui dis, tiens, avec son accord, j'ouvre le serveur à mon expérience Twitch. J'en fais un serveur communautaire public. Enfin, public, je suis mis ouvert. Hein. Je prie les entrées. Tout le monde ne rentre pas. Mais, bref, aujourd'hui, il y a accessoirement Dragon Sky qui peut se connecter. On a régulièrement Nachevman, Poupon, Christella qui évoluent dans le serveur. Donc sachant qu'il est né en 2020, là, le serveur, là, le monde a quasiment 3 ans. Que dire d'autre que FunFan, avec ce qu'il t'a expliqué, il peut, sans avoir acheté Minecraft, il peut interagir dans ma partie, parce que j'ai programmé des trucs. Il participe sans vraiment jouer. Il a failli m'avoir, le salopard. Il voulait absolument illustrer le propos, c'est malin. Voilà, je les ai bouillés son vilain zombie. Aïe, aïe, aïe. Et voilà.
N'oublie pas qu'il y a Nayonet aussi qui peut. Oui, Nayonet, merci. Il fallait que j'oublie quelqu'un, honteusement. Mais oui, il y a Nayonet aussi qui nous fait le plaisir d'être là. Ouais. Tu l'as oublié parce que tu veux être le seul ancien du serveur. Il y avait un ancien du trop. C'est ça. Bon, je vais d'abord faire les piliers, puis je mettrai les lanternes après. Oh, la musique, elle est terrible. Il y a du rock qui va arriver dans peu de temps. Je pense qu'on aura le rock à un bon 20h. Merde. Ah, pourquoi il veut pas... Je sais pas pourquoi, il veut pas placer mon truc. Aïe. Non. J'essaie de faire un saut de l'impossible. Non mais c'est idiot ce que je fais. Il faut que je prenne les échafaudages. C'est fait pour ça. J'use mes outils pour rien là. Faut que je garde des échafaudages sur moi sur une case d'inventaire et puis astucieusement je les manipule à la main. Sinon je vais pas m'en sortir. Ah, puis j'ai mal géré les fours, l'imbécile que je suis. Oh, qu'est-ce que je joue mal, je suis même pas cohérent dans mes faits et gestes à mon tour. Donc si j'ai bonne mémoire, le save c'est le week-end prochain que tu risques d'être absent, c'est ça ou juste le dimanche? Non, je risque d'être là le week-end prochain complètement également. Ah. Ce qui est une bonne nouvelle. Je crois que c'est le week-end d'après, je sais plus, le 10-11. Il y a un truc dans le genre là. Je te redirai hors antenne en semaine, fan. Là, mon agenda, je le rouvre que lundi, hein, parce que aujourd'hui, c'est loisir. Ah oui, de mémoire, tu m'avais dit, oui. Du 10-11. Ah, c'est pas juste. Le dernier 11 de l'année, tu peux pas être là. Eh non. Chez Kouel. Chez Kouel, je ne serai pas là. De la doudi, de la douda. Ah bah, ce week-end-là, je ferai du GTA Vice City. Mm-hmm. Comme ça, je vais prendre l'après-midi entier. Oui. Et puis Christella va apprécier. Christella, elle aime bien quand tu joues à... Et pas que, hein, mais je ne cite que Christella, mais je sais qu'elle est très enthousiaste à te voir dans Vice City. Donc, elle va pas bouder son plaisir d'avoir un dimanche peinard à... Ah bah, c'est son GTA préféré. Donc... Ouais. C'est bien. Ah, merdoum. Je tombe. Ouais, allez, je vais commencer à poser les lampions. Magie des lampions de Noël. Burp. Burp, burp. Ah. Indy en dit quelque chose. Vice City est vraiment sympa. Je l'ai d'ailleurs loupé, fan. J'ai hâte de le voir prochainement. Ah oui, surtout que là, c'est tellement... Comment dire, cru dans le propos et censuré que fan s'interdit de le déposer sur sa chaîne YouTube. Donc, c'est donc des émissions éphémères. Ah non. Alors, c'est pas éphémère. C'est pas que je le... Oui... C'est pas par rapport à mes propos, disons-le, mais c'est parce que c'est juste par rapport à des MCA en fait. C'est surtout qu'il y a tellement de musique dans les bagnoles et compagnie que je pourrais pas le poster sur YouTube, ce n'est pas possible. Du coup, effectivement, je dis plus que sur Twitch, on a un petit peu plus de liberté d'expression que sur YouTube. Du coup, oui, on fait des vocales où on se lasse un peu plus que d'habitude. C'est pas non plus un truc de ouf, mais même moi, je me permets quelques propos que je ne dis pas. Voilà, mais ça reste quand même. Mais bon, on va dire que je veux me permettre de rager un peu plus ou des trucs comme ça, mais. Voilà. On aime beaucoup quand ça reste, mais bon. Ouais, bah, chacun d'en juger si c'est plus différent que d'habitude, mais il y avait quelques mots. On va dire que en fait c'est toujours la même chose, mais disons que les mots vont être un peu plus crus que d'habitude, voilà. Mais ça reste dans le même sens, ça change pas, mais juste que je vais pas utiliser d'autres films.
On dirait que je m'auto-censure, mais je fais gaffe, mais là, j'en profite. Mais ils ne sont pas éphémères. Ils sont sur Twitch, ils sont tous en temps fort et on peut les retrouver dans la collection. J'avais pas compris ça, d'accord. Justement, c'est justement parce qu'on peut faire ça sur Twitch que je le fais. Ah bah c'est bien, donc du coup tu vois Undel, t'as rien loupé. Oh c'est chaud. Mais oui, bon merci. À la communauté. Et merci. Mais oui, bonjour et bienvenue, Dame Lilith. Comment que ça va? C'est très gentil de faire un relais change chez moi. Surtout que là, de la semaine qui est passée, j'ai pas eu le temps de voir quasiment personne. Comme en plus, exceptionnellement, t'es en marathon, fan, tu diffuses toutes les semaines. Enfin, tous les jours de la semaine. Donc du coup, j'arrive plus à suivre les autres. Mais c'est très gentil, sur quoi t'étais, Dame Lilith? J'espère que ça va bien. Là, je suis peinard. Bah oui, bonsoir, Dame Lilith. Je suis peinard en train de poser mon sapin de Noël. La magie de Noël de Minecraft. Je suis en train de décorer la place, là. Ibi. C'est un relais de chaîne. Merci. J'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue. Vous avez fini un jeu que je connais pas. Witchwood. Et B. Et encore, je suis pas sûr d'avoir bien prononcé. Si, avec un Y, ouais, si ça passe aussi, Witchwood. Ah, bien. C'est un relais de chaîne. Merci beaucoup pour cette contribution. Soyez les bienvenus. Ah, tu l'aimes bien l'alerte. Alors, attends. Bon. Je suis en train de me planter de sens, moi, dans ma construction. Ah, oui, il faudra que je rajoute les lampions extérieurs plus tard, parce que j'ai pas fait le bord de la... On voit que j'essaie de gagner du terrain sur la mer, on se croirait à Monaco, là. ça va pas être évident du tout. Donc, voilà, soyez rassurés pour le coup, la GTA Trilogie restera, mais uniquement sur Twitch. Pas sur YouTube. Sauf si un jour ils changent leur loi DMCA, mais la tendance c'est que sur Twitch. Ouais, bah ouais. Donc je sais pas si dans une collection il faut laisser les temps forts ou pas, mais je préfère les laisser on si jamais. Je suis pas logiquement une diffusion passée, elle va être dans la collection, mais une fois que la diffusion est levée, je suppose que ça disparaît de la collection logiquement. Donc, ah oui. Donc, je ne prends pas de risque, je le laisse en temps fort. Alors, je te dis, un jeu très chi, si tu prononces bien, un jeu où on passe un pacte avec une chèvre dont on lui ramène 12 âmes pour réveiller une jeune femme qui dort dans un cercueil de verre. Oh, on dirait un conte. Ouais, ça fait penser à la Belle au bois dormant. Un jeu très child. Okay. Un jeu avec une DA très jolie et originale, de super musique et bruitage. Ah ouais. La direction artistique est remarquable. D'accord, je connais pas du tout. Merci pour la description. Bah, d'ailleurs, pour ceux qui me suivent, bon là, c'est vrai qu'on est en très petit comité. Hein. On voit qu'on est un dimanche proche des fêtes. Et attendez. Ça s'inspire de plusieurs contes. Voilà, mais c'est bien. Un petit coup de pub pour Dame Lilith. Bougez pas. Voilà, qu'on voit l'intitulé de ta chaîne. Quand même, un minimum. Ouais, vraiment chouette et à tester. D'accord. Peut-être qu'un jour, je sais que la vie, il faut jamais dire Fontaine, je boirai pas de ton eau. Donc peut-être qu'un jour, je ferai le jeu, va savoir. Bah, là malheureusement, je reconnais qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Mes bonnes audiences, c'est qu'on est une dizaine. Mais au moins ça reste dans le chat et puis si ça peut attirer du monde, on sait jamais, hein, c'est... Il y a la magie de Twitch pour ceux qui veulent éventuellement voir ce que tu fais habituellement. Quand on est 11, c'est le top. Oui. Après, c'est trop dur à modérer.
Oui, d'ailleurs, je reviens là-dessus, mais tu le disais tout à l'heure durant ton direct, j'espère que vous vous ennuyez pas, machin, au niveau des, entre guillemets, possibles longueurs du jeu, mais ça faisait partie de la narration et, du, et de ta manière de jouer, tu grignotais des spectateurs. T'étais passé de 9-8 à plus de 10 spectateurs au moment où tu dis ça. C'est pour ça que je t'avais dit que tu gagnes en audience, qu'il fallait pas dire ça. Ah, il est complètement en anglais, pas traduit, mais il est accessible. Ouais, non mais c'est bien. C'est cool, c'est pas un anglais très littéraire, donc c'est bien. Cool, j'aime bien le très accessible, c'est encore mieux. Ah, parce que moi, l'anglais... Ouais. Sky, je suis deuxième mauvais en anglais. J'aime bien Dragon Sky, mais en anglais, il a des prononciations qui sont pires que moi. Mais vraiment. Ah oui, on maîtrise pas et je lui reproche pas. Hein. Mais dans notre communauté de copains, là, je pense à Edgey qui peste déjà à obtenir le baccalauréat et qui pense arrêter derrière ses études. Mais j'ai envie de dire que nenni, ça ne tient qu'à moi. Mais Edgey, je le vois bien avec son amour de la langue de Shakespeare. Éventuellement, pourquoi pas, il pourrait se lancer dans des études pour devenir prof d'anglais. Je pense qu'il pourrait y trouver son compte. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler entre nous d'ici là, mais... Lui qui sait pas quoi faire de sa suite d'études, là... Bon, à mon avis, là, pour l'instant, il veut faire une pause, il en a marre de l'école, il a pas envie d'y retourner pour donner des cours. Bah, c'est vrai que c'est pas évident, mais bon, ouais, c'est un des aspects chiants. Il y a eu pas mal de démissions, hein, d'ailleurs, ces dernières années dans l'éducation nationale, malheureusement. Justement, en partie à cause du climat avec les élèves, mais pas que. Mais c'est malheureux, quoi, parce que du coup, on se retrouve en sous-effectif. Là où on est vrai, oui. Une langue où on, en France, où on est en sous-effectif, c'est l'allemand. Il paraît qu'il manque beaucoup, beaucoup de profs d'allemand. Mmh. Bah, pas trop dans mon secteur, puisque je suis proche de la frontière, mais dans le restant de la France, je peux le comprendre. Y a aussi que la langue de Goethe, elle recule aussi, elle est moins attractive qu'il y a 30 ans. Au détriment de l'anglais. En plus, comme l'anglais et l'allemand, c'est assez proche, les gens ils préfèrent l'anglais que l'allemand. Alors ça, je pourrais pas dire. Comparer deux langues entre elles, je peux pas. Je pourrais infirmer ni confirmer tes propos. Par exemple, pour dire bon matin, les Anglais ils disent good morning, les Allemands ils disent good morgen. Tu vois, c'est assez proche. Oui, là, effectivement, oui. Puis la base de l'anglais et de l'allemand, c'est des langues germaniques, leur base. Bon, l'allemand direct et l'anglais un peu aussi. À la base. Contrairement au français, à l'italien, à l'espagnol, qui ont plutôt une base latine. Et après, tu parles le russe, l'ukrainien, qui ont du slave. Alors, suite des opérations dans mon aventure Minecraft, on va gérer le four tout proche et on va retourner sur le continent, quitter la plateforme pour aller chercher davantage de laine. Et là, avec la laine, je vais faire des grands rubans qui vont du sapin vers les lampadaires que je viens de poser là, ça va faire un truc magnifique. Et si vous avez envie d'être Dieu, d'envoyer des orages ou autre connerie, vous pouvez toujours l'envoyer sur le lien qui coûtera quelques bergamotes que vous avez gratuitement. Donc, si vous voulez embêter le sage en lui envoyer des zombies, n'hésitez pas. C'est pas interdit. Ouais. Tu rigoles, mais t'es en train de me donner des idées. C'est vrai que je pourrais faire pleuvoir tout et n'importe quoi, je pourrais même faire pleuvoir des animaux. C'est horrible. Techniquement, il y a moyen de faire ça. Je vais déposer ça là. On va filer sur... Non, d'abord le four. Bonsoir, Naïnone. Dommage, je t'ai pas vu cet après-midi, Naïnone. Tu me manques, hein. Ah, tu aurais aimé Woodrop. Il est farfelu, ce jeu. Je suis sûr que tu auras apprécié. Une cuisse de chèvre fait une panne, Stella.
Alors, hop, je vais renflouer les fourneaux avec un max de combustible. Au moins ça, ce sera fait. Je prépare les prochaines longues sessions de cuisson de différents matériaux. On voit qu'on a largement industrialisé le processus vu les quantités engagées. Ça fait peur. Et on est en moyenne que 3 joueurs sur le serveur, max 5-6. Donc, on a beau être peu nombreux, on est très actifs. C'était pas beau. Puis ça, je crois que c'est des blocs de charbon, carrément. Donc c'est énorme. C'est du charbon compacté à mort. Ça va, c'est pas le charbon qui manque. Hein. Ça, là-dessus, la ressource là, on la gère très bien. Pas mal, le jeu de basse. Je sais pas si... Non, j'attendrai peut-être de faire cuire de la roche classique. Donc un wagonnet pour aller vers les chèvres. Encore qu'il fait jour, je vais peut-être y aller en bateau. Allez, soyons fous. Merde, je... je vais pas là où il faut. Je ne vais pas là où il faut. Je vais retourner à la bergerie, je vais m'amuser à tondre les moutes-moutes. Mais là, à mon avis, des cubes de laine, il va m'en falloir pas mal. Reste à savoir combien. Peut-être une bonne centaine. Ça va pas être évident de les obtenir. T'as pu enfin dissoudre ta grappe. Ah mon dieu! Oui, c'est bon le jeu de raisin, tu m'étonnes. Je croyais que j'avais une barque ici. Ah non, c'était près des ours qu'elle était, la barque. On va, je vais faire un peu de nage. Bon. Je vais récupérer la barque de l'autre bout de la banquise, vite, faut pas que je me noie non plus. Oula, ça va être limite mon truc. Alors, il nous Ouch. Dit, Nayone, j'ai pu enfin dissoudre ma grappe et c'est bon le jus de raisin. Tiens, je vais aller accoster un peu plus loin. Un peu plus loin que l'auberge de la baie aux tortues, poil au U. Ah mon dieu! Le temps s'est assombri. C'est ça, je suis dans l'Antarctique. Bon, bah alors, j'ai cru que j'allais pas accoster. Et là, il est dans l'Arctique, là, vu les pluies. Ouch, ouch, ouch. Ah, il aime bien la musique. Ça y est, ça commence. Oula, j'ai vu des flèches voler. Pielos ! Ah ! Il a failli m'avoir. Complique. Ah oui, je me suis retrouvé nez à nez au corps à corps avec le zombie que t'as invoqué, c'était violent. Je l'ai balancé sur le toit de la ferme en contrebas, un truc de fou. Ouais, ça se complique grave. Mais les créatures plus les zombies sont amis ou ils sont pas amis? Ils peuvent être méchants entre eux. Parce que s'il y a des coups qui se perdent, ils peuvent se monter les uns contre les autres. Ah, comme dans Doom, quoi. Oui, tu peux astucieusement en tirer bénéfice. Mais c'est chaud. Oui, bon retrait, y a pas de souci. Merci pour le relais de chaîne, Dame Lilith. Et puis bonjour à Monsieur Jambon. Qu'il faudra que j'aille voir. Je sais qu'il diffuse tôt le matin maintenant, mais j'ai pas le réflexe. Le matin, quand je me lance à bosser, je sais qu'il est là et ces derniers jours, j'avais besoin de concentration.
Mais j'ose pas faire une promesse que je tiendrai pas d'essayer de lui rendre visite la semaine qui arrive, mais j'en garde l'intention du moins. Enfin, on verra. Mais ah là là. Attends, j'aurais presque pu planquer un truc derrière la porte. Je crois que j'ai des coffres en sous-sol ici. Oh mon dieu, la soupe m'a fait peur. Oui, c'est Raphaël, il est souvent en l'heure chez toi, et aucun souci, t'en fais pas. Merci, très gentil. Okidoki. Waouh. Je crois que j'avais des coffres. Ça aussi, c'est des... Oh, j'ai plein de salles aménagées qui sont complètement vides. Un drapeau blanc, on fait la paix. Oh, ah, bisous, prenez soin de vous, passez un bon moment. Mais merci. Merci tout plein. Bon dimanche, Dame Lily, t'as plus. Oh, c'est beau. Cette vue-là, elle est classe. Ça fait médiéval, là. Enfin, gallo-romain, c'est classe. Bref, j'ai pas trouvé ce que je voulais dans les sous-sols. C'est plus vite que je ne pensais. Pédu. Ah, Aerosir nous a dit que la fibre arrive le 9 décembre chez lui. Enfin, il a dit sur son serveur. Ouais, non, mais c'est cool. C'est une bonne nouvelle. Il y aura peut-être une pause de une ou deux semaines parce que moi aussi, de mon côté, ben, avec Aerosir, parce que moi aussi, quand je veux qu'on fasse la partie professionnelle, je veux le streamer aussi de mon côté. Ah. Mais pour moi, il vaut mieux qu'il ait Avermedia qui passe, que ça va être plus compliqué. Bonsoir. Oh, bonsoir. Tu verras avec lui. Bonsoir, Noyonnais. Ah, c'est gentil à toi de nous rejoindre dans la vocale. Ça va bien? Ouais, tranquille ou pénère pépouze. Ok. Pour faire simple, si je dois le streamer en mode PS4, je dois sacrifier toutes les alertes. Donc je dois sacrifier, bah, je pourrais même pas aller sur le menu et il n'y aura même pas ma webcam. Par rapport à la vocale de Sony, Block, tout ça, donc je lui dirais que quand il souhaite qu'on le fasse en professionnel, qu'on le fasse ensemble, mais pour moi, il faut que je puisse le streamer de façon classique. Il y aura peut-être une, deux ou un peu plus le temps qu'il maîtrise le logiciel. Je lui dirai cette semaine. Mmh. Oui, comment ça va, Taillonnet? Il a déjà recoupé le micro, Naïonnet. Ah ouais. Non, moi, je me pose la question s'il a, il n'est pas allé chez mon Asis Crèche, chez les copains jouer au jeu de plateau, là. Qui est déjà fait le week-end dernier. Ou il y a 15 jours, je sais plus. Ah ouais, avec sa très longue partie qui a duré pendant toute la nuit, là. Ah oui, ça m'a fait marrer parce qu'il avait, fait ça un dimanche et... Du coup, il me dit, oui, à minuit, 8h du matin, il est trop tard pour que je me couche, je vais attendre d'avoir le sommeil naturel, donc il me dit, je veux faire des parties d'Empire. Ouais, à Vice City demain, il faut que je me couche. Ouais. C'était rigolo. Ouais, j'ai mangé trop riche le repas et du coup, bah, j'étais en forme. Ah. Donc, Dylan, si tu as joué aujourd'hui à tes jeux de plateau ou un truc comme ça. Non, pas du tout, pas du tout. Non, mais c'était un peu décalé du coup, mais voilà, je suis recalé. Ah, bien. Ouais. Ah, c'est dommage, t'as pas vu Woodruff, tu aurais rigolé, il était sympa, c'est un peu ce que j'ai fait. Hein. Ah, le jeu que t'as fait. Okay. Ouais. Il y a la rediff. C'est pas pareil, c'est sûr, mais il y a la rediff. Ouais. J'ai un bon rythme en plus, ça va, j'ai pas trop. Ça va, j'ai pas trop traîné, je suis arrivé à garder le jeu assez dynamique là ensemble pour une fois. J'ai pas fait trop d'aller-retour inutilement. Du coup, c'est quoi tous ces moutons? C'est pour la déco de Noël. Ah oui, ça fait beaucoup de brebis. Aujourd'hui, beaucoup de brebis. Enfin, ça fait beaucoup de laine les moutons, oui. Mais ouais. Non, j'en reviens au sujet des jeux de plateau. Je suis devenu accro grâce à cadeau Anthony que je salue pour merci pour les lingots d'or à Parks. Ah, je connais pas. Jeux de plateau basé sur les parcs naturels américains. Ah. Et alors, il est pas facile à prendre en main. Il faut prendre le temps d'assimiler les règles. Mais une fois que t'as compris la mécanique de jeu, que t'es lancé,
c'est vraiment un pied parce que tu dois faire preuve de stratégie et de chance. Les deux sont bien mélangés, donc ça fait un jeu qui est haletant à chaque partie. Ah, BRC, c'est ça. T-A-R-K-S. Merde, j'ai une malédiction de faim, je crois. Ouais. Merci. Ça m'avait été suggéré par Cadeau Anthony qui... Je sais plus comment il l'avait découvert, faudra lui demander, poser la question. Je l'ai offert à mon neveu est du métier, il a été formé au niveau de l'agriculture, animaux, végétaux, et il est animateur d'ailleurs dans ce sens sur la nature de manière générale, et je lui ai offert, et depuis qu'on y joue je peux plus décrocher. Dès que je lui rends visite, j'ai dit allez, on se fait une partie de Parks, quitte à faire une nuit blanche, je m'en fous. On se fait au moins une partie. Ah oui, c'est trop bien. C'est bien, une jeu de société, c'est comme les LAN, c'est vraiment plaisant. Quand le jeu est bien, c'est vraiment plaisant. Ouais. Et voilà. Et c'est un jeu de coopération ou d'opposition, compétition ? D'opposition. Mais alors, il y a même un mode très surprenant où tu peux jouer en solo. C'est de 1 à 5 joueurs. C'est très surprenant. Oui. J'ai des jeux comme ça qui jouent à un seul joueur, j'ai déjà fait une partie tout seul, le jeu en carton il m'a battu. Pas de bol. Mauvaise pioche. Alors, une grosse plus-value dans Parks, c'est la beauté des cartes. En fait, les parcs naturels qui sont représentés dans le jeu de cartes ont été dessinés par des artistes. Et les visuels sont tellement beaux qu'en fait tu peux commander les croquis, les modèles de base, les originaux, tu peux en demander copie, les commander pour les avoir sous cadre. C'est dire à quel point les illustrations sont magnifiques. Je vois ça dans le jeu, c'est joli. Hein, ah, c'est génial, c'est un régal pour les yeux. Les petites formes, les petits pions de chouette en bois là. Il y a des sacrés dessins, ouais. Peut-être que plus tard d'ailleurs. Ah mince, je viens d'avoir un SMS et il y a l'air d'avoir un truc urgent. Attendez, j'atteins le continent puis je lis le SMS que j'ai reçu. Ah mince. J'espère que je vais pas être contraint d'avorter mon direct. Parce que oui, non, j'ai eu un SMS de ma famille là qui me dit il va falloir que tu m'appelles. Donc quand on me dit ça, c'est pas bon. Il se passe un truc. Attendez, je vais me mettre à l'abri dans le jeu. Parce que normalement, j'ai prévu de faire le tableau mystère à 20h et de rendre l'antenne après. Les aléas du direct et de la vie courante. J'espère pas évidemment et je ne pense pas, mais non, c'est normal, priorité à la famille. Oui, bah oui. Attendez, je vais me mettre à l'abri dans ma maison. Je vais honteusement consulter le SMS sous vos yeux ébahis. Attendez, je me suis dit, excusez-moi du téléphone. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, apparemment, c'est pas grave, mais c'est urgent. Du coup, ça me met dans une hésitation et un flottement, excusez-moi. Tu sais, urgent, vaut mieux que tu y vas. Hein. Peut-être maintenant, je vais voir, je vais relancer l'intéressé. Je pense, hein. S'il dit que c'est urgent, il va. Ouais, attends. Ouais, je vais mettre le téléphone là en attendant. Non, ah, le téléphone ne tient pas, génial, il se casse la binette.
Je vais me le mettre là, voilà. En attendant de la réponse de mon interlocuteur. Ah oui, j'avais rangé les matières précieuses à l'étage. Je m'en souviens, dans le tonneau. Voilà, celui-là. Ouais, je peux mettre la cisaille là. Je pense que j'aurai pas assez de laine. Il faut falloir que je reprenne des échafaudages. En tout cas, c'est joli cette petite maison là, le message. Oui, c'est ma maison là. C'est la mienne sur la plateforme. Avec les textures, ça rend du plus bel effet. Avec ce pack de textures, ouais, ça change un peu. Alors, comment je vais faire mon affaire, moi? Je vais essayer de, hop, de faire une guirlande en suspension. Merde. Attends, j'aimerais bien... Je vais pas forcément obtenir ce que je veux. Je vais me casser la figure à mon tour. Ah oui, je peux pas avoir la face du cube sans me casser les... La... Si, ça va être juste. Ah oui, ça va être chaud, là. Ouais, comme ça. Ah, tu fais un arbre de Noël, ok. Oui, c'est un arbre de Noël. J'essaie de faire une physique à peu près cohérente. Je dis bien à peu près cohérente. Attends, je vais viser quoi pour le rattacher? Là-bas, peut-être? Ouais. Oh, je sais même pas si... Non, j'ai mal visé mon truc. Faudrait que je fasse 5 ans, ouais, un cube plus haut. Voilà. On va faire comme ça. Peut-être descendre le truc. Presque. Je reconnais que mon truc est ambitieux, mais... Ouais, là j'ai plus besoin d'échafaudage, donc ça je le range. Ah, ça va faire plutôt naturel si je l'accroche là, du coup, moi, mon machin. Ce que tu fais en fait, peut-être que tu veux coller. C'est une voilà, ça fait une guirlande qui est suspendue. J'ai juste un peu peur qu'il y ait des monstres qui génèrent dessus. Alors, s'il y a des creepers qui apparaissent et qui tombent sur le BAM, ça va être le drama. C'est pas aujourd'hui. Bah, il y a le risque dans le. Normalement, je pense que le cube de laine est un cube sur lequel des ennemis peuvent apparaître. Donc, c'est un peu craignos. D'ailleurs, il manque de lumière. La base de mon sapin manque de lumière. Il faut que je corrige ça aussi. Je profite de la nuit pour me rendre compte que ma place est mal éclairée. C'est la place stade avec l'arbre de Noël. Ouais. On va dire ça. Je sais plus. J'ai mis des ressources en bas. Et donc le sapin Noël, tu l'enlèveras le 7 janvier. Il n'y a rien qui s'allume du tout. Il est comme ça. Et basta. Moi je dis pas allumé, mais tu. Là on est à 4 semaines de l'avant. Donc, oui, bah j'en suis sûr. Ouais, non, mais c'est très bien, c'est juste la bonne date. C'est la question que posait Fanfan. Et après, vous allez en faire quoi? Lui, il voulait faire les feux de la Saint-Jean juste derrière et il fout le feu. Bah ouais. On va peut-être le garder à l'année, hein, si. Mais je soumettrai un vote courant janvier. Est-ce qu'on change le sapin? Est-ce qu'on le vire? Est-ce qu'on le laisse? Ce sera un vote, on verra ça en janvier, on n'en est pas là. Faut le ranger dans un coffre. Est-ce qu'on le vote de Duke contre double, triple, etc. Le vote de Duke? Non, de Dieu. Ah, j'ai compris, Duke. Duke Ken aussi. Oui, c'est ça. Je peux me comparer à lui, hein. J'ai pas pour les plus, là. Ah.
Oh, ah, écoute, tu fais que tu le sens. Je ne réponds plus de rien. Mon vote, il est comme au Scrabble, tu vois, il compte double, triple, en fonction. Moi, je propose que mon vote compte toujours plus 1 que ceux qui sont pas d'accord. Donc, ajoutant 7 personnes qui sont pas d'accord, mon vote, il en vaut 3. S'il y a que 3 personnes qui sont pas d'accord, mon vote, il en vaut 4. Tu vois, c'est la démonstration. Oui, bien sûr. De la puissance. Bah, donc, courage, c'est pas donné à tout le monde. Qui c'est qui vous aide à faire vos plans? Par contre, si tu mets les orages sur l'orage, il peut avoir de la neige et tout. Oh, tu as déclenché la neige. Ah. Ça va dire un monstre déjà. Ça, c'est pas moi le monstre. Enfin, si, c'est moi. Non. Oh. T'as vu, ça met la neige d'un Yoni. Ah, c'est chouette, c'est chouette. Ouais. C'est chouette. Toi aussi, tu peux le faire. Ouais, mais je vais te laisser le faire. J'ai la neige. La neige de Noël. Bon là je suis pas jubilé. C'est de l'orage de Noël. C'est ça. Une exclusivité fun fan, l'orage de Noël. C'est à côté du sapin de Noël peut-être. Je sais pas. Peut-être que ça saura nous dire. Là, le sage, comment ça se fait que ça fait de la neige? Il y a une raison particulière. Parce que notre localisation géographique fait qu'on est dans un biome glacé. Okay. Sinon, ce serait de la pluie. Et je rappelle que dans les biomes chauds, tels que le désert, il n'y a pas de précipitation. On voit que le ciel s'assombrit, mais il n'y a rien qui tombe du ciel. D'accord. Logique minecraftienne. Du coup, le sapin, il est bien placé, quoi. Oui. oui, c'était prémédité. Ah. Alors, attends. Que Monsieur Poupon, il fera des beaux sapins aussi. Des fois, je le vois bien aimer les sapins, Monsieur Poupon. Mais je le vois, Monsieur Poupon, ça porte chance. Mais lui, il apportera un tronc breton, sinon ça va pas. Ah. Flash, il aime bien les sapins uniquement parce qu'il y a une étoile dessus, ça lui rappelle qu'il est le chéri. Voilà, il manque des cubes, mais bientôt je reviendrai avec davantage de cubes de mousse, je vais dire. Ah, ça fera bien. Quand j'arriverai à en foutre au moins dans les quatre angles, ça fera stylé comme ambiance. C'est original. C'est original. Alors dans Minecraft, c'est possible de faire des... De faire des huitièmes de cubes. Il y a les dalles sur lesquelles je marche. Il y a les escaliers pour casser la forme, mais après je crois pas. D'accord. En ce moment, on s'écoute une musique folle telle que tu les aimes, mon cher Anaï Néné. Attends, je vais plus fort. Ah oui, franchement, c'est une musique, c'est du bruit que j'aime bien, moi. C'est un style. Ah, il y a un chat dans la photo sur le cadre. Oui, je repasserai devant, je l'ai montré tout à l'heure, mais oui. Ah, après, je peux aller en jeu et regarder comment c'est.
Oh, je vais revenir. Mais c'est le pack de textures qui fait que ça change les thèmes des tableaux. Ah. Là, je suis dubitatif parce que je suis en train de me dire finalement, je vais rien rajouter d'autre dans l'immédiat. J'ai plus assez de ressources. Ah mince. Ah, il y a quand même des petites guirlandes, c'est sympa sur la Noël. Je croyais qu'il y avait juste des carrés de Noël. Dans la semaine, quand je jouerai Peinard le soir, je passerai à la tombe des moutons. Je me réinstaller sur mon siège. Attendez. Et donc, en soirée, en semaine, je m'organiserai pour régulièrement tondre les moutes-moutes dans mes allées et venues. Bon, je viens de... J'ai failli scalper et exploser ma webcam, génial. Très mauvais geste que je viens d'avoir. Excusez-moi. Et vous verrez une version complète plus tard. Mais rien que le sapin, honnêtement, je m'attendais pas à le finir aujourd'hui. Je partais pessimiste. Et finalement, le sapin, il est complet. Je rajouterai les guirlandes qui pendouillent sur les côtés dans la semaine. Vous en faites pas. Aïe, aïe, aïe. Run Achèvement. Merde, je me suis trompé de... Bah tiens, un tableau que vous avez sûrement pas vu. Enfin, deux tableaux. Run Achèvement. Je me suis trompé de ruelle. Bonsoir, Dash. Ah, c'est joli, le tableau. Attends, je vais déposer, mais... En plus, il n'y a plus de place. J'ai tellement de ressources que ça... Oh. Des cubes colorés, j'en remettrai sous la guirlande. Mais ce sera la semaine prochaine. Enfin, oui, voilà. Je ferai ça hors antenne paisiblement dans les prochaines heures de jeu. Il reste une heure d'antenne de jeu. Oh. Ça ne tiendrait qu'à moi. Je retournerai miner bêtement. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant pour vous, mais en même temps, moi j'ai besoin de ressources. Allez me chercher de la roche. Pas du tout là quand je posais la roche. C'était pas du tout mon secteur. Je pourrais presque aussi retourner dans les tréfonds. J'ai commencé une galerie vers... à moins 54, je crois, pour avoir du diamant. Je pourrais peut-être creuser par là aussi. J'ai peut-être intérêt à le faire. Là, on voit pas le bout.
pas bon app pour ceux qui vont passer à table, puisque vient de sonner les 19h. Merci. Faire brut. Ouais. Pas de bol. Les textures, c'est pas évident. Oui, 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 c'est traître avec le pack de texture. Je suis d'accord, mais non, c'est du faire brut, ça. Alors là, pour le coup, comme parfois peut le dire FunFan sur son antenne, là, c'est dans ces moments-là où, évidemment, je vous invite fortement à faire une autre activité à côté, en plus de m'écouter un peu en mode radio, parce que visuellement, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Mais c'est la base même du jeu. C'est prendre le risque d'aller creuser dans les sous-sols pour en extraire les matières premières. Ils sont autant de matériaux de construction avec toutes les transformations qu'on peut en faire. Et je fais face à une voie d'eau. Je suis dans la mouise. Oh là là. Ah merde. Tout a creusé. Ah oui, mais là, le petit point d'eau d'ailleurs. Attends, je vais pouvoir le renflouer assez rapidement finalement. Oh non. Oh, Nacheman, c'est dégueulasse. Il a invoqué quoi? Ah, une cochonnerie qu'il a invoquée au moment où je suis dans la flotte en difficulté, c'est moche. Bien, Nash. On a pris. Non. Non. Faut pas avoir plein de monstres, allez, je sais pas de plein de monstres. Il y a des coupables qui sont présents à l'écran là. J'hallucine. Et ses pouvoirs de DS. C'est ça. Mais si vous voulez être des vrais dieux, il faut mettre des orages. Hein. Sinon, vous n'êtes pas des vrais dieux. Vous êtes des usurpateurs. Des usurpateurs. Voilà. Donc, hop, j'ai détruit les sources d'eau. Je vais pouvoir recreuser mes murs improvisés, mais au moins là, je suis au sec. Ce qui fait que je vais pouvoir reprendre ma progression dans les cavités. Peut-être que maintenant, s'ils utilisent les pouvoirs, ils verront que c'est drôle, ils comprendront pourquoi je les utilise. Ils seront plus solidaires quand ils seront dans le jeu. Ah, soupir. Tout ce qui va dans mes intérêts, j'y pense. J'ai pas compris comment t'as fait pour bloquer l'eau. Ah. Je remplace le cube dit d'eau par un autre élément solide, par défaut de la pierre. D'accord, oui, c'est voilà, vrai, c'est l'eau, la fameuse... L'eau, évidemment, elle s'arrête quand tu bloques. C'est ça, elle est space, l'eau, dans Minecraft. C'est vrai que la propriété physique de l'eau est pas normale, en fait. Mais bon, c'est pour des raisons de puissance de calcul. Et puis bon, ça fait partie de la magie du monde Minecraft. J'y suis tellement habitué que... Ouais. Ah, je l'ai pas entendu à cause de la musique de mon côté. Mais bonjour à Rémi. Ouais. Il veut pas des conquêtes ou des câlins ? Ah, il a déjà eu. Non, mais là, il peut s'installer sur la couette et il peut s'installer sur la couette. Il veut faire des jeux. Et Rémi. Ouais. Tout à l'heure, il est dans la machine à laver, je lui ai fait le phare, j'ai fermé la porte. Oh. Quand si j'ai rouvert tout de suite. Il a dû stresser comme un fou, non ? Non, il a pas stressé, j'ai ouvert, je vais fermer depuis 3 secondes et je vais vous mettre. Et Bah s'il passe pas la casserole, tu peux le passer à la machine à laver, c'est pas grave. D'abord la machine à laver, ensuite la casserole, ensuite le plat. Attention au poil dans la machine à laver. Ah ouais. Ça c'est un truc, je l'aurais pas encouragé. Stella qui se déclare en lurk. Bon appétit Stella. Oui, bonne soirée. Moi tout à l'heure, je verrai. Nash aussi. A plus à tous. Bonne soirée. Oh là là.
Oh, je pense que... Non, peut-être pas dans un peu plus d'une heure quand même. Que je pense que je rendrai mon antenne vers 20h15. Alors, Iggy. Comme fan aussi. Ah. Ah, t'as du linge à ranger. Bah, bon linge à ranger. Hey. C'est l'invasion du leurre. Je vais faire un leurre aussi. Non. C'est vrai que je pourrais aller manger. Moi, c'est une personne qui a préféré que je dois aller chez Bastos à 21h. Ah, 21h. Ah oui, mais hé hey. Ça y est, fallait me le rappeler, Bastos. Eh ben, je vais peut-être garder mon antenne jusqu'à 21h, mais du coup, j'ai passé mon coup de fil en étant à l'antenne. Tant pis. Autant que je fasse une transition chez Bastos, je vais tenir jusque-là. Au pire, par exemple, t'es au téléphone, tu me dis qu'on peut T'inquiète pas, je... T'inquiète pas. Bon, moi, j'y vais. À toutes, à tout à l'heure. Merci. Ah oui, j'avais oublié qu'il y avait Bastos qui prenait son antenne. Enfin, en espérant qu'il puisse la prendre à l'heure, puisque le dimanche il bosse, il va peut-être rentrer en retard. Bah, il est en train de fouiller dans mon portefeuille. Il n'y a pas de son On est rentré dans le rock là. Presque au bout de mon inventaire. Ah oui. Oh. Ouais, bah oui, ça sent bien. Tu pioches en diamant, ça va super. Ouais. Surtout si cette dernière est enchantée. Et on en a besoin avec toutes les torches et surtout ce qu'on fait brûler, enfin cuire. Bon, les torches moins depuis qu'il y a fait le fan, en mode dieu. Ça va super vite. Ouais. Je suis plus fier, je m'en débarrasse. Ouais.
Bon, avec un inventaire blindé comme ça, je peux remonter à la surface. Intéressant le corridor que j'ai creusé. Et on voit les couleurs un peu partout, il y a un peu de tout au niveau des roches. C'est sympa. D'ailleurs, ça mériterait que je traite tout le gravier là aussi. Ouais, non, tant pis, je vais revenir. C'est pas trop loin. Aïe, j'ai cogné mon truc. Bah alors. Casque. Ouais, mon fil de casque. Bon, j'ai le clavier. En volant, attends, une touche du clavier. Je n'ai pas d'esclaves pour préparer à manger, alors bah oui, tu vas en cuisine, mon cher le chef d'âme. Ah oui, ouais. Moi aussi, je vais aller en cuisine. Non, ça va pas, mon truc. Attendez, déjà, j'ai beaucoup de charbon, c'est cool. Quoi ça? C'est du silex. Oh la vache, 64. Oh, vache. Ça fait un peu beaucoup quand même. Oh mon dieu. Oh, je prends un peu de bâton. Ouais, puis là c'est de la roche et tout va. Recoucou, tu une scène. Oui, si, c'est sympa. Tu sais qu'on l'aime l'entendre, donc on va pas s'en plaindre. Alors, la partie que je vais devoir renflouer par rapport au gravier. Attends, je vais marquer ma position dans un plumard avant que l'aurore ne fasse son œuvre. Moi, ça m'évitera d'avoir des remontas dans le ciel que sont les fantômes qui te hantent si t'as pas dormi depuis 3 nuits. Nouvelle règle dans Minecraft qui est redoutable. Fantôme j'ai jamais eu de 5. Oh! Oh! Deux slimes! Oh mon dieu! J'en avais déjà eu un gros, mais alors deux d'un coup, c'est nouveau. La vache, il est coriace celui-là. Aïe! Le massacre des slimes! Oh mon dieu! Oh là là! Waouh! 20 boules de slime! Énorme! Merveilleux ça! C'était les rails. Alors, attends. Mais non! Oh, qu'est-ce que je mets un clic en trop? Vous êtes fou, oui! Voilà.
Voilà. Et là, je peux déblayer le... Oh, ça a libéré un accès, oh mon Dieu. Ah bah ça y est. J'ai déblayé tout le gravier. Moi, pourquoi pas. C'est gentil, hein. On va continuer notre galerie là de la dernière fois. On va la reprendre. Elle est illuminée. Comme elle est enchantée, elle s'illumine dans la l'obscurité. C'est ça. Ta pioche. Exactement. Rivière de feu devant moi, visiblement. La lave, c'est pas bon. Il n'y a pas de cavité, ça me surprend. Ça me surprend. La lave, ah, la lave a une autre apparence que le... C'est la texture. Vers de l'eau, ça éteint le... Oui, c'est merveilleux, hein. Ça pouvait se produire pareil, en vrai. Normalement, l'eau aurait dû s'évaporer instantanément. Ouais. Magie Minecraft. Ça peut perdre la première fois, mais... Tu transportes un pseudo avec toi quand tu vas dans les galeries comme ça. Toujours, ouais. Ça, c'est la marque des habitués. Indispensable, le seau d'eau sur soi. J'ai du lapis, là, Julie. Oh, j'espère qu'AJ est pas trop affecté par sa maladie. Là, il était pas bien hier soir. On l'a pas vu aujourd'hui. J'espère qu'il a pas chopé la mort, le pauvre.
Marie Gold, on discute de la Champion. Ouais. Voilà, on a peut-être des périodes de, d'un peu bien et ensuite ça revient. Malaise. Non, j'ai atteint le niveau 30. Génial, je vais pouvoir réenchanter des trucs. Là qui pleut maintenant. Le Red Sensor il marche quand le moteur est à l'arrêt de départ, mais quand il commence à pleuvoir, le Red Sensor il marche pas. Ouais, Nash. Ça creuse. Là, je suis en mode foreuse. Ça n'arrête plus. Foreuse Minecraft, ça bien. Rien dans les gouvernes, ça marche pas. Oui, il y a des modes, ouais. Non, mais de base, elle est disponible. Merde, du diamant. C'est pas la bonne pioche. Que j'ai donné pour éviter que je joue un jeu de conduite.
Oula, j'ai plus de base en inventaire. Ouais, les silex, j'en ai déjà pas mal. Bah, la pierre des abîmes, il y en a beaucoup aussi, évidemment, dans les grandes profondeurs. Des abîmes. Voilà. Aïe aïe aïe. Alors là, ça vaut le coup que j'aille enchanter du matos. Parce que je suis de niveau 30. Alors, tu peux rappeler qu'est-ce que ça fait le fait de passer des niveaux dans Minecraft ? Alors, j'ai un nombre dans mon interface en bas. Normalement, alors j'espère que mon habillage ne le gâche pas. Peut-être si ma caméra centrale, je sais plus. On voit normalement un nombre vert 30 en bas de l'écran. Voir. C'est mon niveau d'expérience. L'expérience se gagne dans Minecraft de différentes manières. En minant des ressources précieuses, tout ce qui est roche rouge pour l'électronique, la roche rouge redstone, le charbon, les métaux précieux, l'or, le cuivre, le fer, etc. Le charbon aussi, extraire tout ça des roches, donne de l'expérience. Cuire des matières premières pour en faire des produits finis donne de l'expérience. Si c'est vous qui manipulez le four et que vous... Voilà, sans passer par des mécanismes d'entonnoir, de tuyauterie, de ce que vous voulez, là. Tuer des ennemis donne de l'expérience. Faire du commerce avec les villageois donne de l'expérience. Et l'expérience sert, entre autres, à payer les enchantements. Faire de la magie quand vous pouvez. Et là, ça va être mon cas. Le niveau le plus élevé de magie, c'est le niveau 30. Enfin, c'est là où on a accès au meilleur sort, en fait. D'accord. Si on revient, tu viens d'expliquer qu'on paye des niveaux d'expérience pour acheter des trucs. Ou t'as juste besoin d'avoir accès des niveaux 30 pour acheter des super niveaux de magie. Disons que strictement le niveau 30 permet, attends je vais te le montrer, permet d'atteindre le niveau max d'enchantement. Attends, je vais préparer une pioche par exemple. Je vais à la bibliothèque où il y a une table d'enchantement. C'est marrant, c'est juste en face de chez moi. Ah ah, pratique. Voilà, une table d'enchantement. Voilà. On voit que ça coûte... Un sort de niveau 1, enfin un enchantement de niveau 1 coûte 3 d'expérience. Un de niveau 2, ça coûte 18 d'expérience et 30 pour le niveau 3. Évidemment, je vais miser sur le 3, qui est le plus violent. Donc là, j'ai efficacité 4, fortune 2. C'est correct, c'est moyen, sans plus. C'est pas le top du top. Et on voit que mon expérience a été soustraite. Je suis passé de 30 à 27. Ah oui. C'est comme ça que ça marche. Donc tu dépenses ton expérience, voilà. Oui. Ok. Sorte de monnaie, d'accord. C'est ça, on peut le voir comme ça. C'est très bien pensé, moi j'adhère complètement au procédé. Alors attends, je vais compacter mes ressources là parce que j'en ai trop. Pour mieux les ranger. Brum, brum. Mince, là ça va là et voilà. Hop là, l'or, le fer. Petit bâton. Bon, la pioche là, je m'en servirai pas dans l'immédiat. Le restant de mon schmilblick, je vais le ranger. Attends, pourquoi j'ai les pierres là ?
Attends, il manque un truc. Ah, c'est du bois qui me manque. Ah merde, j'ai dû ranger le bois, oui, bêtement, la dernière fois. Parce que c'est toujours important d'avoir du bois sur soi. Pour faire à la va-vite des constructions basiques. Attends, je vais aller dans la maison. Sauvegarder ma position dans le plumard. Oh, le beau tableau. C'est un paysage de montagne. Tiens, on va revoir le chat puisque je vais rentrer dans ma chambre. Un petit paysage de montagne. Le minou. Le paysage de la mer. Le cat. Le cat. De la pub pour les pour la viande. C'est très à quatre feuilles ça. Là, y a des mots, différents là, tableaux. Oh, je varie les plaisirs, je fais pas que creuser, j'essaie de construire un truc. Bon sapin, daddy doudou. Ah, c'est sympa le tag sur le mur. La jolie tag, je suis en lettre de Glasgow, dans Montana. Non, pas dans Montana. Si, dans Montana, il y a un beau tag, une petite photo. Ah, il faudrait que je continue de bâtir les égouts aussi. Tant pis, je vais me péter les jambes. Hop là. Oula, il y a du monde en dessous. Oups. Oups, oups, oups. Il faudrait que je mette des torches. Alors, il faudrait que je continue la construction des égouts là. Ouais, c'est quoi, il y a de Noël. D'accord, alors la barrière n'est pas baissée, mais je peux passer avec le... Oh la vache, le danger, quoi. Le train arrive alors que la barrière n'est pas baissée. Ah. J'ai failli... Ouais. Encore jamais eu ce bug, là. Ouais. Très surprenant. À Glasgow, ça s'est produit. Puis j'ai entendu le train klaxonner, je vois la barrière qui est baissée, je suis là, c'est pas normal, ça. Mais effectivement, il y a un train qui passe. Attends, comment j'ai fait la roche, là, moi? Ardoise des abîmes polies. Oh, reste avec nous, Sacha. C'était de l'ardoise, mon truc? Non, c'était pas de l'ardoise polie. Non, non, non. Okay. Juste de l'ardoise des abîmes? Elle était non polie. Ah oui, c'est ça, c'était de la non polie en fait. J'aurais jamais dû la polir. Ouais, il y a des espaces de 5. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Ah, c'est pas tout, mais il faudra que je continue de faire mes égouts, moi. Tac, tac, tac. Là, ça va être particulier. Tac, tac, tac. Ça c'était de la roche polie, je crois. Je crois. Elle est plus loin, la roche polie. Non, et la roche lisse, pardon. Oh non, non, pas de la lisse. Non, non, je l'avais vraiment... J'en ai plus.
ça m'étonne. Attends. Alors la polir. Bah c'est surtout qu'il faut la cuire. Ah, oui. Non, ça c'est de la pierre taillée. Alors ce qui est vachement déstabilisateur pour moi, c'est qu'en semaine, quand j'y joue peinard le soir pour me décompresser de ma journée, j'y joue sans pack de texture. Et j'arrive pas là à faire le lien avec le pack de texture que vous avez là actuellement par rapport au cube que je vois normalement à l'état naturel. Ça me rend fou, j'ai le cerveau qui bug. Ah, parce que Linux, les packs de texture marchent quand même. C'est ça. J'évite de surcharger ma manette. Ma manette. Machine sous Linux. Je perds mes repères en fait. Donc là j'ai le cerveau qui fume un peu en se disant waouh, quoi correspond à quoi. Non, j'ai plus la hanche en question. Merde. Près des fourneaux, je dois en avoir un bon stock alors. Ça me surprend un peu. Comment j'ai géré mes ressources, moi? Ouais, c'est de la roche, mais c'est pas de la roche cuite deux fois. Oh, il va falloir que je remédie à ça, moi. Ah ben, je vais en faire. Du bol, c'est collier. Je regarde de temps en temps les yeux sur le chat, sur le stream. Des fois je suis à deux doigts de faire un accident. Ouch, ah bah oui, si tu conduis ton camion en même temps, c'est le truc qu'il n'y a pas à faire. Nickel. Ah oui, non, non, moi j'ai cru. Il y a un petit coup de volant, mais il a. Je sais pas ce que c'est comme voiture d'ailleurs, ça. Je réfléchis comment je peux procéder. Oh, il y a du monde là-bas. Oh, oh. Merde, il m'a repéré. Je vais devoir aller au contact. Il m'a repéré. Ah, je pourrais peut-être essayer d'avoir un CD. Parce que Creeper et Archer. Ah oui, je devais te donner un CD en fait. Tu le feras à l'occasion, t'en fais pas. Ouh, il y a moyen. L'archer. Il y a trois creepers pour un archer. Ah, merde, on m'appelle. Alors, attendez. Petite interruption de programme. Je vais rappeler mon intervenant. Je vais vous mettre la compile des clips. Je reviens. Désolé. Bien, je vais vous mettre la compilation que je suis en train de monter actuellement, donc vous aurez le début de ce que vous aurez au 1er janvier. Allez, petit cadeau, pas prévu. Oui. Pardon. Ça fait comme un semblant de calice. Waouh.
Bon, bah, il y a un record local du coup qui est établi par Bastos en 1-12-3. Mais je sais pas si on fera Précieux sur scène relique. Ah merde, j'ai un mauvais moment alors. Oh, c'est incassable. C'est du Marvel en film ou c'est quoi ce... Ah, c'est une compil de. Non, c'est une compil de clip. Coucou. Mon dieu, qu'est-ce que vous faites? C'est bien. Ils l'ont programmé. C'est très bien. Ils l'ont programmé, c'est génial. Merci. Oh là, je vais rentrer dans. Comme quoi le jeu il était extra à l'époque. Mais je peux vraiment faire des trucs horribles. Ouf. J'ai quand même dépassé de 3 mètres la voiture, hein, plus j'emboutissais. Voilà, utilisation inadéquate d'une arme à feu dans le centre. Ouais, ce qui arrive quand on respecte déjà pas les limites de vitesse. Non, bah, là. Ah, alors, envie de mélanger. Oui, alors ça discute un petit peu dans le chat, légèrement. T'avais dit la chorégraphie. Eh ben, c'est moi qui voulais revenir en mettant un zombie. C'est raté. Ça peut être une chorégraphie. Dès qu'il arrive, c'est animé. Mais ah non, je peux pas. C'est limité dans le temps et je l'ai déjà fait. Donc bon. Ah. Peut-être justement ce délai supplémentaire. Je pourrais en mettre un zombie. Par chance, le bébé va se retourner. J'ai hâte de voir la tête de la petite et aussi pour que ma femme redevienne humaine, car c'est-à-dire les hormones. Libérez-moi la route! Merde! Camion de pompier qui arrivait en trombe! Allez, bouge! Je ne sais. Oh bah non, je fais tomber mon stylo! Oh là 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 là. Voilà, gogo gadget au doigt sur le sol et je vois rien de ce que je fais. J'espère que ça n'a pas glissé sous le siège. Non, juste. Oh! C'est magie! C'est le bordel chez moi! Je cherche un stylo au sol, j'en trouve un autre. Est-ce que je peux zapper ça? Bon, il faudra que je fasse prochainement quelque chose qui s'appelle le ménage. Là, il y a un bug. La danse du crabe. Non, mais je vais jamais m'engager, moi. Ah, si, il y a personne derrière la canonnière. Il y a plus qu'à prier que. Là, la canonnière. La bétonnière. La canonnière. Je ne sais plus ce que je dis, je deviens fou. Laissez-moi passer. Je veux pas faire ma vie sur cette entrée de, hein, d'entreprise. Je crois que j'en étais là au niveau de l'action. Pourquoi je vois là? Ok! Elle vibre encore des échanges de balles perdues. J'adore ce genre de bug dans les moteurs physiques. Tu as déjà offert un cadeau. Pour le coup, ça fait bien une vanne. Ouais. Je voulais pas lui offrir. Merde, je me suis planté. Mais comment ça marche le coup des géodes? Oh, ça va être long maintenant. Ah, je vais voir la pluie alors. Non, je suis sur la chaussée. Oh. Voir, ça va être long. Je viens de faire la même erreur que le sage. Donc on va pouvoir en voir en direct si le train s'arrête ou non. N'oubliez pas d'attendre le week-end pour avoir les nancés. Ou un clip sur le jeu de camion. Ah oui, je me mets en vrac sur la chaussée. Mayonnaise. Sur le. Oui, je fais une bêtise. Le train il arrive à pleine balle. Oh voilà. Oh, t'as eu chaud. Ah, je t'ai bloqué, je l'ai bloqué. Chaud, alors. Ouais. Ah oui, j'ai fait exprès de le bloquer. Alors, c'est pas le bon camion d'Yelovir, vous devez avoir un clash haut alors qu'il faut... Attends, je vais invoquer le train et hop. Non, c'est que la barrière se passe. Tu crois? C'est juste les yeux qui est plus bas. Putain, une édition. La barrière, c'est la destination avant. Oh. Il a de l'autre en laine. Et du coup, on nous entend ou pas sur la compil de clients? Tu sais que c'est comme 200 balles. Wow. Comme ça, on peut dire des méchancetés sur eux. Oh, bien d'ailleurs. Nashevman qui vient de faire la piche. La non. Piche. Tu vois, les... Non, là. Non, la Nashevman qui vient de faire. ça va être clippé. Merde. Pardon. La pêche, pas la piche. Qui a extrait une ombre commune. Soirée mousse, oui, c'est ça. Ah, il vérifie.
Pouf. J'avoue que j'ai hâte qu'on soit 21h, que je fasse le débrief de catch pour... Ça, je ne sortirai pas, vous n'avez pas le droit. Je crois pas que je me couche. Ce qui est beau, c'est que dans ma vue, on a vu sur l'auto-auto dessus, Christella qui passait au même moment. Ah, j'ai tout loupé. Non, on n'a pas ton camion Barbie, ça c'est clair. Ton camion Barbie. Ah, là, je l'allais prendre, je le vois, c'est collector. C'est collector et il monte en même temps. Ouais, mais il monte ton camion, c'est clair. Ouais. Madame, vous ne passerez pas, c'est une soirée jaquette. Les dames ne sont pas admises. Il manque juste les paillettes, alors là, c'est un total. Interdit de passer, contrôle des papiers, contrôle des véhicules. Non, 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 non. Oh non. Elle a assisté. C'est la première fois que je vois Nayonette se faire relever la jaquette, dis donc. Ouh. Oh, je peux pas passer par la vitre pétée. Oh, je suis déception. Ah oh, bah que je suis bête. Je sais pas si c'est surpris. Voilà, un autre moment de solitude. Papa, pa, pa, pa. Toi, tu vas démarrer du début, non? Mais je vous suivre en camion comme ça, à l'arrache. Comme j'ai plein de fric, c'est pas grave. Oh, bah, jamais combien. J'ai plein de fric, par contre. Si je fais des pertes, c'est pas grave, j'ai des employés qui me rapportent du fric. Ouais, t'as le bonjour de Jeff Bezos. Ah oui, c'est profond. C'était profond. Oh merde. Bon, bah, moi, je vais aller récupérer. Et voilà. Et bah, j'en reviens. Y'a pas été blessé. Je vais manger. Je sais pas. Quand j'ai rechargé, okay, je suis parti tout seul. J'ai retrouvé le pistolet de Christella. C'est pas moi, mes mains étaient là. Les coups sont partis tout seuls. J'ai pas compris. C'est un bug quand je recharge la partie ou quoi? Ah oui. Bah, c'est quoi ce délire? Oh, bah alors, qu'est-ce qu'il est... Oh là là, mais je me fais peur de voir le concurrent dans le bac à gravier. Du bol, j'ai tous les feux. Que je me barre de Seattle, vite. Direction le sud. Youhou. Direction le Nevada. Ça, j'y viens fou. Oui. Le fou de Nancy. C'est oui. Ça, c'est un fou. Oui. L'ADN. Oh! C'est un marchand ambulant qui est en train de flotter. Oh la vache! Jésus ou Moïse? Non, Moïse, il aurait tranché en deux avec ses lamas l'océan. Bah alors, qu'est-ce qu'il fout le marchand Jésus là? Mais qu'est-ce que tu fous là toi? On a trouvé marchand Jésus. On les prend tous, hein. Oh! Bah alors, on fait du lancer de donuts? Oh l'autre est... Bah, il s'est pété le bras, il peut... On dirait qu'il arrive pas à... Vous avez un problème, monsieur? Oh mon dieu, il me fait mal, le pauvre. Ouh là là. Ouh là là. Ouah. Bah alors... On dirait qu'il s'est pété les... Casino, c'est un supermarché, nous dit Quinsen. Oui. Là, chacun est à hauteur de ses moyens. Fuji cola. Fuji. Fusil plutôt. Fusil cola. Moi, c'est ce que je fais déguster là au bar. Fusil cola, ça. Ça te soustrait le coup de pompe. On peut dire ça. D'ailleurs, on dit presbytère. Je me demande bien pourquoi, maintenant je suis content. Je l'avais dit que il mettrait une compilation de clips. Bien. Encore enchaîner une autre blague ou. Oserais-je dire l'élève a dépassé le maître? Je crois, je suis émerveillé. J'ai le printemps dans mes oreilles là, j'adore les gauloiseries, vas-y continue, t'es bon là. Et pour cette blague, le doute m'a habité, hein, donc voilà. Oh, y'a du people! Bon Youl, c'est l'amour qui vient pas frapper à ta porte. Tu t'es trompé, c'est la morte. Ah oui. Il est pas content, je vais être absent.
Mais... Ah, je m'en fous de l'Arabie Saoudite. Quoi ? Quoi ? Tous les squats que tu veux, tu insènes. Même toi, cloné en escouade, je prends. Ça parle mal. Oh, c'est quoi? Attends. C'est une souris, ça? Bon, j'ai rien vu. C'est trop énigmatique. Non, je peux pas ouvrir les meubles. Dommage. Il est l'heure de mourir. J'aime bien quand la physique du jeu répond. Oh là 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 là. Et j'ai déclenché la mort qui m'a emporté ma rôtie. Poilo kiki. Oh c'est cool. Oh je sais. Oh, 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 oh. Ah oui, tu peux crier à l'aide. Après ce qui vient de vous arriver par mes soins. 5421 et 3334. Si j'essaye de faire une addition, j'obtiens 8755. 8755. Ou 8755. On essaye. C'est un raisonnement comme un autre de déduction logique. Je l'ai dans le cululu. C'est pas ça. Ok, j'espère que vous savez ce que vous faites. Bien sûr. En théorie. En théorie, oui. Dans la pratique. Vous sentez cette odeur de brûlé? Difficile à dire. Bien sûr. Essayons ça. C'est pas passé loin. Oh non. Bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je ne me hasarderai pas à faire la moindre suggestion. Supérieur. Voilà. Bon, je vais peut-être le laisser. Oh, qui est le responsable de ce désastre? C'est clair que... C'est pas moi. J'en sais rien. Le téléphone... Je croyais que votre ta voix, elle fait... Elle fait la machine à café. Oui, monsieur. Waouh, il y en a qui ont des comptes à régler entre eux. C'est moi qui ai le flingue. Ça, j'ai fait Half-Fly, Blue Shield, c'est-à-dire Blue de Defeat. Bouclier bleu en français, tu traduiras en anglais, ce sera plus simple pour moi. Non, et, Shift, pas Shield. Oui, Shift. Sasuke, pourquoi? Bah, attends, je vais la mettre, hein, Sasuke, t'inquiète pas, je l'ai vu. T'as eu du bol, je l'ai vu, mais j'ai pas compris pourquoi le jeu te l'a refusé. Les compétences et les connaissances nécessaires pour que notre plan fonctionne. Si vous parvenez à éviter les soldats, retrouvez le docteur Rosenborg. Avec lui, vous avez peut-être une chance de sortir vivant de cette pagaille. Ouais, les compiles de Half-Life, elles sont énormes, ils n'ont pas la quête. Quand il fait nuit comme ça, on voit rien. Mais en fait... Et c'est pour ça qu'ils aiment tant la quête aussi. J'ai une voilà, c'est le truc dans Half-Fly, c'est... J'ai fait pas mal de clips et je me suis régalé à voir le tas sur Half-Fly. J'espère que ce sera aussi drôle le jour où je ferai la version PS2. Ah ouais, Shiva peut largement se rallier. Ah ça c'est vraiment un des tout premiers clips, ça, par contre. Ah non, je crois que j'ai cru que c'était un autre jeu. Des automatismes au niveau cérébral où ça vient tout seul. Alors après, arrive un moment avec les années, tu finis par te... Christelle, tu m'as fait peur avec la sortie du véhicule là. Il est temps. Est-ce qu'on entend le glouglou au micro? On entend vachement bien. Et le micro est extra. Ah, c'est horrible, la succession de boissons, elle est... Nous sommes les camionneurs gémisseurs, on n'arrête pas de se plaindre et de geindre sur la route en disant « Oh oui, il fait suer, oh les tarifs de l'essence est trop élevé, oh j'ai ma remorque qui m'a lâché, blablabla. » Voilà. Ah, j'ai pas la fibre. Et avance, c'est vert. C'est vert. J'en ai fini avec vous, soldats. Rendez-vous dans la zone suivante. Ah, moi j'ai pas le son pour le prochain.
Vous pensez comme moi. Bien sûr, vous pensez comme moi. Fin de l'entraînement. Oui, comparaison devant la cour martiale, tu m'étonnes. En tandem. Mais j'ai l'avantage de la surprise, motherfucker. Ah, ça peut faire toute la différence dans le combat. On arrive vers la première année, en fait. Hein. Je boucle au 1er janvier comme une entreprise. Bloom, ça va vite, hein. Le temps passe vite. Carpus. Vous avez le jeu de la pêche pour les carpes. Non, tempus fugit, en latin. Le temps fuit. C'est-à-dire, voilà, on n'arrête pas la course inexorable du temps, comme on dit. Oui. Oui. Ah, ce que vous savez pas, moi, dans Matrix, que j'aurais fait face à Morpheus, entre la pilule bleue et la rouge, je me serais fait un cocktail, moi, j'aurais pris les deux. Multi-Matrix. Quoi? Pourquoi je peux pas passer? Oui. Alors, Ico et Cour, le furet, il faut que je vous raconte une bien bonne, je sais plus si je vous l'avais déjà narré sur mon antenne, mais c'était terrible, parce que c'est ce qui a nourri mon fou rire à l'époque quand j'avais été reçu chez mon ami, qui était justement jeune père de famille. Et c'était à l'époque où justement il y avait les premiers scandales qui éclataient dans la presse de la pédophilie au Vatican. Il y a le gamin qui a improvisé accidentellement une parodie. Il s'est mis à chantonner « il court le curé ». Et là, j'ai explosé de rire. Il m'en fallait pas plus. Parce que c'était le sujet numéro un de l'actualité. Pourquoi t'as été... abus d'émoticônes. Bah tiens, cousin, j'ai vu que tu t'y es mis aussi. Bah... C'est bizarre, pourquoi Nainonette, t'as eu la sanction de trop d'émoticônes parce que t'en as pas mis tant que ça? Tiens, c'est bizarre. Hé, hey, ne me dites pas que j'ai bloqué la bille de manière stratégique, là. Le million. Oh, c'est bien, je peux boire un coup. Je crois que j'ai réussi un coup de maître. Bon. On va peut-être attendre les 20 minutes pour atteindre les 14 heures comme ça, puis on va faire bugger le jeu quand il n'aura plus de place pour donner le score. Discord ce soir, je vous relirai en semaine, je pense, ou ne serait-ce que demain. Ouais. Et puis, je vous ferai au moins un petit coucou en symbole smiley au minimum, à défaut de vous laisser un message textuel en réaction de ce que vous me déposez. Mais merci à vous. Un message textuel, voilà. Oui, textuel. Oh, vous êtes redoutable. Non, mais... Alors, on peut entendre ma voix si j'ouvre mon micro. J'ai encore recommencé à faire un monologue, mais dans le vide. Ouais, merci, tu une scène, tu vois. Je ne m'en rends compte au même moment où tu validais ta phrase. Visuel, ta poule. Et je te vois en plus à la lunette. Elle est coincée, elle est bien. Bravo. Ouais. Ouais. Il y a le sage qui est en train d'observer les jeunes filles à la lunette. C'est propre. C'est ça. C'est exactement ça. Enfin, non, là, il relie qu'une poule. C'est pas pareil. Ah, ouais, ça faisait revenir au même, hein, quelque part. C'est vrai, en plus. Aïe, aïe, aïe. Tout le comique de la situation. Oh, mon Dieu. Votre situation. C'est que vous l'avez dans le fion. C'est ça votre situation. Je suis votre distributeur officiel de suppo. Ça y est, je suis dans l'ambiance. Comment je fais pour monter l'échelle? Non, ça c'est le ralenti, c'est débile. Bah, bon, je sais même plus monter une échelle. Bienvenue. Je ne sais pas si tu m'entends. Bonsoir, Bastos. Oui, je reviens, je reprends en main, j'arrive. Vous avez vu la prochaine compile de clips que je suis en train de monter. Ah ben, les Half-Life, c'est mythique. Oui. Gros potentiel de clips. On va passer au... Ah mince, j'ai fait sauter ma webcam. On va passer au tableau mystère, comme il est 20h. Et puis on reviendra sur du Minecraft pour la dernière heure, puis à 21h, voilà, on fera relais avec Bastos. Au moins, ce sera bien. Est-ce que vous voyez ma tronche? Non? Oh, la webcam qui marche plus, bah alors! Qu'est-ce qui se passe?
Que signifie ? Pourquoi ce sabotage ? Alors ? Midoum ? Midoum, crotoum, bordeloum ? Excusez-moi du peu. Ah ! Elle est revenue. Alors, tableau mystère. Je sais même pas si j'ai réussi à changer ma catégorie. Nayone, entre-temps, il est allé manger. Oui, Bonap, à lui, il a raison. Attends, je vais mettre en discussion, puis on va déclarer le tableau mystère. Si je ne mange pas, le petit Jésus va me manger. Non, je déconne, il n'a pas dit ça. Voilà. Alors, le tableau mystère du moment, je vais vous le remettre à l'écran le temps que moi je ressorte mes fichiers. Ah oui, on cherchait le 10 moulin rouge, là, en bas à droite. Ah oui, alors faut que j'ouvre le navigateur pour voir votre liste de réponses. Il faut que j'ouvre mon tableur pour avoir les bonnes réponses. Ça en fait du boulot. Alors, déjà vos réponses. Blam, 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 j'autorise. Oh, j'ai que deux réponses. Bon, vous me direz, j'ai la bonne. Ah, pff, fun fan, t'avais répondu la semaine dernière Anne Hidalgo et Ariel Dombal au Moulin Rouge en 95. N'importe nawek. C'est pas moi, c'est Docteur Boutique. Ouais, ouais, ouais. On dira ça. N'importe quoi. C'était une suggestion de Bob Murlock. Il m'avait chuchoté. Oui, Bastos nous entend tous bien. Ouais, c'est bien, c'est cool. Bah, bonne réponse de Twinsen. Il a trouvé la dernière image que je vais pouvoir déclarer trouver. En fait, en donnant l'indice Canal+, il se trouve que c'est une image du jeu... Qu'est-ce que c'est que ce Beans ? Ah, j'allais dire, j'ai un bug d'affichage dans le tableur. C'est les Guignols de l'Info, le cauchemar de PPD. Il y a eu deux jeux, les Guignols de l'Info. Et celui-là, je crois que c'est le deuxième, le cauchemar de PPD. Bonne réponse de Twinsen. Évidemment, vous comprenez l'indice maintenant que je vous ai donné la réponse. Ah bah c'est bien, il va y avoir un nouveau tableau mystère. Attendez, bougez pas, j'attribue les 500 points à l'ami Twinsen. Oserais-je dire que c'est devenu une tradition tous les dimanches? Je crois qu'il n'y a pas eu un dimanche où il n'a pas donné une bonne réponse. C'est dire. Ah bah c'est bien. Alors, je vais essayer de trouver un tableau qui n'a pas été joué. Pourquoi je vois pas mes onglets de... Oh là là, c'est la caca dans ce mode d'affichage. Il faut que je fasse comme ça. Qu'est-ce qu'on n'a pas? Le 51. On l'a joué le 51 ou pas? Le 51. J'ai pas l'impression qu'on l'ait joué le tableau là. On a fait le 52 et le 50, mais le 51. Voilà. Ah si, on a déjà fait le 51. Merde, il m'en faut un autre. Non, on l'a fait celui-là, je m'en souviens. Ah, on l'avait fait celui-là. D'ailleurs, c'était un truc où même Twinsen en avait bavé. Celui-là on l'a fait, celui-là on l'a fait. Oh mon dieu, on a quasiment tout fait. Ouh, dis-moi qu'on l'a pas fait le 65. Le 65, pourvu qu'on l'ait pas fait. Il est très intéressant le 65. Je reviendrai dessus pourquoi quand vous aurez trouvé la réponse. Symboliquement, si on peut faire en ce moment le 65, ce serait drôle. Et je me justifierai quand vous aurez trouvé les jeux en question. On n'a pas fait le 65. Ah! Et ben voilà! Il a dit le 69, ce coquinou de Nayone. On l'a déjà fait le 69, je crois. Coquinou de Nayone. 65. On est le 27, oui. Attendez. Je vais regarder vos premières bonnes réponses. Alors, je prépare moi le terrain au niveau de mon tableur, que je puisse au moins vous... tac, tac, tac. Mince, non, c'est comme ça qu'il faut que je procède. C'est comme ça qu'il faut que je procède, sinon je m'en sortirai pas. Twinsen, ta cam, elle a bugué. Encore ?
On te voit en train d'avoir ton doigt devant ta bouche, c'est très rigolo. Ouais. Intellectuel. Et ben, ça va rester comme ça parce que j'en ai marre de me battre avec ma webcam. Je suis désolé. C'est pas pour la dernière heure que je vais faire. Hein. Vous m'entendez à la voix, tant pis. Hein. Excusez-moi, mais si ma cam veut se mettre en grève, elle se met en grève avec retour. Alors attendez. Un clip. Oui. Vous en faites pas pour si peu. Alors attendez, je vous cherche le... Déjà, il faut que je virginise la liste des réponses, parce que si vous me balancez une réponse et je comprends avec les précédentes, ça va pas le faire. Ça, c'est fait. Nouveau tableau mystère, où est-ce qu'il est? On a dit le 65, à vos claviers, point d'exclamation, TM, espace suivi de votre réponse. On est en quête de titres d'œuvres vidéoludiques. Je veux les noms des jeux vidéo que vous reconnaissez dans mes photos montage. Vous avez des points de chaîne en cadeau. Autant dire que c'est un jeu sans enjeu, mais c'est pour le plaisir. Attention, le voilà sous vos yeux. On dit, il y a toi une scène qui dit c'est le docteur d'Ampère de Nancy. Tableau numéro 65. Et quand on lit le cartouche avec le trait d'union 5, ça veut dire que j'attends 5 réponses de votre part. Il y a 5 captures d'images de jeux différents qui composent ce photomontage. Quels sont-ils? Alors, je précise qu'on est dans la catégorie, pardon, cher fun fan, des jeux qui ont au moins tourné sur PC. C'est-à-dire, pensez à MSBox, pour ceux qui connaissent l'émulateur de vieux jeux sur PC. Mais ça n'empêche pas des portages sur console ou autres médias. Voilà. Tu voulais dire quoi, fun fan? C'est pas MS-DOS plutôt qu'MSBox? DOSBox, pardon. DOSBox, oui, je dis des bêtises. Merci de me corriger. Pas les émulateurs, ils le connaissent. Et non, j'en ai dit. Oui, il y a Twinten qui te propose déjà Disco World. Mmh. Je pense, vu la rapidité, je pense qu'il a juste. Ah. J'ai en vert, moi, toujours. Mmh. Quelque chose, vaguement. Mais... Je vous laisse jouer, je vous laisse trouver. Je sais que c'est pas forcément évident. D'ailleurs, j'ai pas remis une musique, hein, comme j'avais mis la compil de clip. Tout le monde sèche, même moi. Même toi, Zen. Tiens, d'ailleurs, je vais tout de suite mettre dans mon Discord parce que ce soir, je vais oublier. Je vais le faire maintenant. Vous avez la branche dédiée dans le Discord pour voir en semaine et pouvoir répondre. Donc, attendez, c'est... Là, actuellement, on a le 65. Stack, je vire l'indice précédent puisque là, il n'est plus d'actualité. Je vous charge l'image numéro 65. Au moins, ce sera fait. Non, je peux pas, tant pis. Tableau, je voulais faire élément récent, mais mon Windows me fait la nique. Donc, du coup, le 65, il est où? Merde, je le vois plus. Ah, il est là. Aucun. Voilà. Tac, voilà, c'est fait. Voilà, une bonne chose de faite. Au moins, je suis déjà à jour dans le Discord. Pff, j'aurais pu à m'en préoccuper. Christella, à vous n'en connaître aucun. Moi, honteusement, je me fais mon auto-promo. Je vous remets le lien de mon Discord. Pour ceux qui éventuellement n'y seraient pas et seraient intéressés de jouer en semaine au tableau mystère, il y a la branche dédiée dans le salon. Enfin, sur mon serveur. Ouais, je vous laisse gamberger un peu. Mm-hmm. Ah, je vois qu'il peaufine sa réponse, notre cher Twinsen. Il disait, mais pourquoi le sage ne réagit-il pas? Ward de mortellement vôtre. Ça balance des dossiers, Fun avec ses cheveux verts. Ah, oh, mon Dieu. Ah là 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 là. Alors, attends. Fatigué pour être ou quoi que ce soit. Ah ouais. Bien vu, bien vu. Effectivement, le cheval avec la faucheuse dessus. Alors, je sais pas trop mettre, parce que c'est une petite image, hein, le déjà trouvé. Faut pas que je le mette n'importe où. Donc voilà, je n'attends plus la bonne réponse pour ce jeu-là, puisqu'effectivement, une scène a donné la bonne. C'est Disco World 2, mortellement vôtre. Bien.
aléatoire pour s'étirer, c'est chiant. Prout prout, mince, je me trompe d'interface. Encore 500 points pour l'ami Twinsen. Il reste 4 jeux. Mouah, ça va vous occuper un bon bout de temps, je le crois. Voili voilou. Oui, c'est bien. Donc ça, je supprime ça parce que je vais me garder la vanne pour la semaine prochaine. Fun fan avec des cheveux verts, ça me fera rigoler. Bah, on va retourner dans Minecraft. Vous aurez toute la semaine pour y jouer. Alors, voilà. Ah, il propose quoi? Une scène en mode robot du futur. Mais c'est n'importe quoi. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Je vous l'accorde. Je voulais dire autre chose, mais j'ai fait non, je vais pas le dire. J'ai envie de dire une scène en costume latex. Non. Alors, je vais devoir... Ouais. Hop.